Bonjour à tous heureux de vous retrouver chers amis en ce jeudi 2 mai 2 mai déjà le 2 mai 2024 8h57 heure du Québec merci à ceux qui sont abonnés ceux qui ne sont pas faites là maintenant merci à ceux qui m'envoient des liens des messages toujours très appréciés on va aborder un grand nombre de sujets ensemble et euh, on va commencer naturellement avec ce qui se passe sur les campus américains on le voit depuis deux, trois jours, beaucoup, beaucoup, beaucoup de perturbations, manifestations pro-palestiniennes. toutes les médias sont concentrés là-dessus pendant que on oublie ce qui se passe en Israël. C'est tout programmé, c'est tout financé. Les deux clans sont financés, autant les clans, le clan pro-palestinien qui est financé par l'équipe de George Soros, et les gauchistoïdes, et as le clan des. Euh, naturellement pro-israélien, qui est financé par euh, Israël, entre autres. Et on nous met tellement, tellement, tellement d'emphase de, de, là-dessus qu'on oublie tout le reste. Et c'est comme ça que notre élite fonctionne, c'est de nous mettre des événements. Quand on veut faire quelque chose en cachette, on te distrait avec des, des événements spectaculaires, puis tous les médias comme des des petits chiens qui courent après l'os ou le morceau de bois que tu as lancé pour te le ramener. Ils sont là comme des... avec leur queue entre les deux jambes, tout excités, ils s'en vont et sautent sur ces événements-là qu'on a créés de toutes pièces. Parce qu'ils sont naturellement eux aussi la possession de l'élite qui nous gouverne. Et te remplissent tes médias et tes euh, réseaux de nouvelles continues avec ça. Et là, on amène toutes les experts. Te parler de ce qui se passe devant tes yeux. Vous pas besoin des experts, tu le vois et tu le sais ce qui se passe. Donc, on va aborder beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets. Macron qui prévient que si les Russes, puis les Russes, on ne sait pas trop ce qui se passe là-bas, là, mais ils sont sur le point peut-être d'avancer. D'ici, franchissent cette ligne-là puis ils semblent prendre le contrôle de plusieurs. Euh, secteur de l'Ukraine, on va envoyer des troupes. Pendant ce temps-là, on va aussi aller voir ce qui se passe, parce qu'Israël vient d'annoncer qu'ils sont prêts à aller euh, attaquer Arafat, un petit peu plus profondément dans la bande de Gaza. Et on est en train de construire un port, littéralement un port sur le territoire qu'on a pris des Palestiniens, on a hein, extensionné Israël. On a déplacé tout ce monde-là, on l'a vidé, et là les États-Unis veulent amener les Palestiniens aux États-Unis comme grand plan d'immigration, alors que les pays arabes voisins sont là. Mais pas seulement ça, les Palestiniens veulent rester en Palestine parce que les Américains disent on va les amener ici, c'est bon pour l'économie, ça on est une terre d'immigration et tout ça, mais les Palestiniens veulent. Leur rêve, c'est de rester en Palestine, d'avoir leur Palestine. On est en train de construire un port. Parce qu'on sait qu'il y a une grande réserve de pétrole et de gaz. Exactement là. Et les Américains envoient 1000 soldats armés pour protéger ce port-là. Mais ils disent qu'ils n'ont pas de bottes sur le sol. Et dans un entretien avec Lloyd... Euh, Austin, qui est le, le chef du Pentagone, le secrétaire général de la défense, est dans un échange avec Matt Gates, un représentant républicain, Ben, il se fait attraper complètement à admettre que oui, il va y avoir 1000 soldats américains sur ce port qu'on est en train de construire dans la bande de Gaza où il y a des réserves de pétrole et de gaz hallucinantes. Donc, ça, c'est tous les sujets qu'on va aborder ensemble, entre autres, puis il y aura peut-être d'autres petits sujets que euh, j'aurai le temps de vous partager. Et il ne faut pas oublier que les médias vous disent, ne faites pas vos propres recherches, parce que cela pourrait vous faire croire à des fausses nouvelles. <laughs> Comme, par exemple, les armes de destruction massive de Saddam Hussein qui nous ont amenés à les tuer un million d'Irakiens innocents sous les euh, impulsions des. Euh, George Bush, Hillary Clinton, tous les démocrates, tous les républicains, qui ont tous voté pour aller renverser un homme et perturber toute une région pour aller naturellement prendre le contrôle de leur pétrole. Donc les médias nous disent, faire ses propres recherches est un bon moyen de se tromper. Pendant ce temps-là, temps Macron s'engage à envoyer des troupes en Ukraine si les forces de Poutine franchissent les lignes de front et que Zelensky demande des renforts, augmentant encore le risque d'un affrontement entre l'OTAN et la Russie. Emmanuel Macron a déclaré qu'il serait prêt à envoyer des troupes en Ukraine si les forces de Vladimir Poutine franchissaient les lignes de front, ce qui augmenterait encore le risque d'affrontement entre les forces de l'OTAN et les armées russes. Wow! Dans une interview publiée aujourd'hui, le président français a déclaré que la question de l'envoi des troupes se poserait légitimement si Kiev et le président Zelensky faisaient une telle demande. On le sait, à France, Emmanuel Macron est aux prises avec d'énormes problèmes intérieurs, économiques, des problèmes avec le secteur de l'agriculture, les agriculteurs qui sont fâchés contre toutes ces mesures hein, dans lesquelles on veut presque les réduire à néant pour prendre possession de leur terre. On le sait que les euh, Français ne voulaient pas des Olympiques. Tu as les Olympiques qui s'en viennent. Dans quel contexte ça va avoir lieu? On est en train d'implanter un code QR apparemment qui euh, rentrera en vigueur en ce mois de mai, en ce mois de mai là, actuel, où tu seras obligé de identifié de je sais pas comment ça va fonctionner exactement on aura peut-être plus de détails bientôt mais complètement complètement hors où -oui il tout ça vraiment waouh donc on revient à la situation entre israël et les palestiniens et le hamas on sait qu'on essayait de Négocier avec l'Égypte, entre autres, l'Arabie Saoudite et d'autres pays, et Israël, un cessez-le-feu pour permettre une espèce d'approvisionnement de, 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 en aide humanitaire. Et ça va pas bien, ça semble, ça, ça va sembler probablement euh, tomber à l'eau. Blinken exhorte le Hamas à accepter une trêve pour aider les Gazaouis. Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, qui est le vrai président des États-Unis qui est juif aussi. Le haut diplomate américain Anthony Blinken a exhorté le Hamas à accepter un plan de trêve à Gaza malgré l'avertissement israélien selon lequel l'armée continuerait à combattre le groupe militant palestinien après tout cessez le feu. Les médiateurs ont proposé un accord de trêve qui mettrait euh, fin au combat pendant 40 jours et échangerait des dizaines d'otages contre de nombreux autres prisonniers palestiniens. Le Hamas a déclaré qu'il répondrait dans un délai très court à la proposition, le Hamas doit dire oui, et il faut que ce, cela, cela soit fait, a déclaré Blinken mercredi, alors qu'il se trouvait en Israël, donc hier en Israël, pour sa septième tournée de crise au Moyen-Orient, puis le début de cette guerre en octobre. Il a ajouté plus tard, si le Hamas prétend réellement se soucier du peuple palestinien et souhaite voir un soulagement immédiat des souffrances, il devrait accepter cet accord. Blinken a pris la parole après avoir visité le Kibbutz Nir attaqué par le Hamas le 7 octobre, ainsi que le poste frontière israélien de Kerem Shalom avec Gaza et le port d'Ashod qui, selon Israël, seront utilisés pour des expéditions d'aide. Oussama Hamad, ou Hamdam, pardon, euh, haut responsable du Hamas, a déclaré mercredi, hier, donc à l'AFP, que la position du mouvement sur la proposition de trêve était pour l'instant négative, mais que les discussions étaient toujours en cours. L'objectif du groupe reste la fin de cette guerre, a déclaré à l'AFP un, un haut responsable du Hamas. Pendant ce temps-là, on le sait, il y a Énormément, Il y a, depuis le début, on a parlé beaucoup, 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 beaucoup de cette réserve, cette réserve euh, de pétrole et de gaz hein, dans euh, cette région-là. Ici, on peut voir des images du port qui est en pleine construction. Dans la bande de Gaza, on a vu. Euh, euh, donc, on prend territoire, on s'installe, on s'installe. Euh, le gouvernement israélien prend énormément euh, de territoire. Donc, on apprend que, le, que Israël et les États-Unis ont commencé la construction d'un parc qui est situé à 20 000 des, euh, euh, des fameuses réserves de 500 milliards, évaluées à 500 milliards de dollars. Hein, de, des, des réserves sous-marines de, de, de pétrole et de gaz, alors que des dizaines de milliers de Gazaouis ont été tués. Une euh, porte-parole du Pentagone, Sabrina Singh, euh, a dit aux médias que ce port coûterait 320 millions de dollars des euh, taxes, des payeurs de taxes américains. Et ça, ça inclut le transport et le, le transport. De l'équipement et les sections euh, de ce fameux quai ou port euh, sur les côtes de Gaza. Et ça inclut aussi la construction et l'aide qui va être livrée pour les opérations de construction. Wow! Donc, dans un échange assez. Euh, intéressant et vraiment intelligent de la part de Matt Gates qu'on voit ici, le républicain qui est prêt de être qualifié d'un supporter de Donald Trump qui ne euh, fait pas partie de, de l'équipe des faucons et euh, de ce qu'on appelle les rhino, hein, les Republican in Name Only. Euh, ça, c'est un représentant Matt Gates, lui de la Floride. Il y avait euh, cet échange avec Lloyd Austin. Le secrétaire à la défense, vraiment intéressant, on va aller écouter ça. Donc, ils disent, est-ce qu'ils vont avoir des... On dit que vous avez... Vous nous dites qu'on n'a pas de bottes sur le sol en Israël, mais ils disent, on va avoir 1000 membres de l'armée, des forces... De... Ils ne veulent pas le dire, mais c'est de l'armée qui vont être armés. Est-ce que c'est vrai ou pas? Guns, oui. they have the to if... Ils vont... On a toujours, ces gens-là sont toujours armés, dit euh, Lloyd Austin, et ils ont la possibilité de se défendre s'ils sont attaqués. So donc, s'il y a quelqu'un sur le sol à Gaza at our qui tire vers nos, nos membres, des membres de notre service, notre service de, de l'armée, so donc sur le fameux quai, euh, de 320 millions qu'on est en train de construire, s'il y a quelqu'un qui tire sur eux. Vous êtes en train de me dire que nos les membres de nos services de construction <laughs> sont autorisés à se défendre et à tirer. Oui, ils ont le droit de se défendre et de tirer pour se défendre. Now, well, do now we think that's donc, là, je veux qu'on recommence. Là, donc, quelqu'un qui est sur le sol, là-bas, hein, de nos forces de construction. De... De... À Gaza. At our service members on... Donc, tu as du monde là-bas qui pourrait tirer sur nos les membres de nos services. That, Est-ce que vous pensez que c'est un scénario qui est probable? Oui, c'est possible. This is a very telling moment, Mr. Secretary. Donc là, c'est un moment vraiment révélateur, Monsieur le secrétaire à la Défense. You've said something that's quite possible. Parce que là, vous êtes en train de nous dire que quelque chose de vraiment possible peut arriver. It could happen, right? Shots from Gaza. Des coups, des, des feux qui sont tirés de Gaza our sur nos, les membres de nos services. Et les, la réponse de nos hommes de service, donc c'est de tirer en direct des, 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 euh, des, des, des balles, des munitions, vers la ville de Gaza. C'est une possibilité de, de scénario possible. Ça. Donc on peut devenir l'autorité du port finalement. C'est ça que vous êtes en train de nous dire. On va, il y a ce port-là qui est en train d'être construit par Israël, payé par les Américains, les payeurs de taxes américains. Puis nous autres, on va être là pour policer, puis sécuriser ce port-là. Dans le fond, c'est ça que j'étais en train de me dire. Right? Vrai? Oh, that's correct. Oh, that's correct. il, dit, il a fait parler. Le chat vient de sortir du sac. Il dit oui, c'est ça. Incroyable, incroyable. Tu pourrais même pas imaginer ça, mais il a réussi à lui faire sortir le chat du sac. Donc, on est en train de construire un port payé par les Américains, les payeurs de taxes américains, qui ne sont même pas capables d'avoir de, de, euh, des services de santé, puis des services adéquats, puis de sécuriser leurs propres frontières, mais ils envoient 1000 services, des membres de services. Qu'est-ce qu'ils. C'est là, où ces politiciens-là sont des experts pour jouer sur les mots. C'est l'armée, des des, des des membres de service. C'est quoi ça Des soldats qui sont là armés pour protéger le port qui est construit à Gaza, sur le territoire de Gaza. Et on a expulsé les Gazaouis. On a pris de l'expansion. Puis on est à 20 000 de cette réserve de pétrole et de gaz qui naturellement. Va devenir la propriété d'Israël et des Américains, j'imagine indirectement. Complètement, complètement hallucinant. Et ça, c'est le genre de choses que tu ne verras pas dans les médias traditionnels, parce que ça, c'est les vraies affaires. Donc, si maintenant on fait un petit saut dans. Euh, le passé, mais pas si lointain. La semaine dernière, on apprenait du Wall Street Journal que Vladimir Poutine et le Kremlin n'étaient pas à l'origine les instigateurs de la mort d'Alexis Navalny. La Russie a rejeté. Mais ce qui est complètement hallucinant, c'est que le Kremlin. Ça nous est rapporté par le Daily Beast. Le Kremlin conteste le fait que Poutine n'a pas ordonné la mort de Navalny. Parce que c'était un rapport qui venait du Wall Street Journal. Je vais essayer de trouver le lien du Wall Street Journal. Là, je suis dans. Je vais essayer de trouver le lien du Wall Street Journal. Ça va être difficile, mais on disait dans le Wall Street Journal que les services de renseignement américains, on nous disait que Vladimir Poutine n'était pas responsable. C'est pas lui qui avait ordonné la mort de Navalny. Donc l'idée que Poutine n'ait pas, pas été informé, n'approuve pas le meurtre de Navalny est ridicule, ajoute euh, le responsable du Kremlin. Mais pas le, pas le responsable, mais un partisan de longue date de Navalny a critiqué le rapport et a déclaré que ceux qui pensent que Poutine n'était pas impliqué ne comprennent clairement rien au fonctionnement de la Russie moderne. L'idée que Poutine ne soit pas informé n'approuve pas le meurtre de Navalny est ridicule. Cette découverte rapportée pour la première fois par le Wall Street Journal indique que l'autocrate, l'autocrate, ils font rire, russe, n'a pas directement planifié le moment. L'autocrate, il y a eu une élection il n'y a pas longtemps en Russie, où on ridiculise l'espèce le, de scrutin là-bas, puis on dit que c'est des élections qui sont truquées mais tu as 88% des Russes qui sont allés voter. Moi, je ne sais pas, mais si je suis un Russe, puis je pense que le système électoral est truqué, je ne me déplace même pas pour aller voter. Tu as 88% des gens qui sont allés voter à 85% pour Vladimir Poutine, parce que la Russie, sous Poutine, a connu une expansion de son euh, niveau de vie incroyable. OK? C'est hallucinant. Tout est formidablement meilleur depuis 20-25 ans sous la gouvernance de Vladimir Poutine. Donc, qu'on dise que c'est un autocrate, moi ça me fait tel, tel, tellement, tellement rire. Je peux dire, on en a plein d'autocrates. Hein? On n'a pas besoin de les nommer, là. Donc, cette découverte rapportée pour la première fois par le Wall Street Journal indique que l'autocrate russe n'a pas directement planifié. Le moment de la mort de Navalny, même s'il ne conteste pas sa responsabilité, alors que Poutine est responsable d'avoir envoyé Navalny dans le camp de prisonniers brutal où il est mort. Les services de renseignement américains ne croient pas qu'il avait prévenu ou qu'il avait prévu de faire tuer Navalny. Donc, ça, c'est les services de renseignement américains qui nous disent ça que ce n'est pas Poutine qui a ordonné et qui a planifié la mort de Navalny. Vraiment fascinant. Donc, on se retrouve, gros gens comme devant, avec ces manifestations sur tous les... Euh, les euh, grands euh, campus américains, d'universités américaines. Bon, je vais aller vous en chercher juste un, mais Des images complètement hallucinantes de gens qui ne savent même pas ce qui se passe là-bas. Mais qui... Euh, Créer de la perturbation spectaculaire pour nous faire oublier tout ce qui se passe vraiment. Department of Justice. Here we are. Just talking a little about money. You know, people over the last week or two have been saying where's the money coming from? This would seem like something that the Department of Justice or the FBI and KJP kind of alluded to this yesterday. It seems like something they should be looking into because it's not just, you know, it's not a peaceful protest. Some protesters were arrested in a kind of campment that we had set Et, donc apparemment, on fait beaucoup de propagande antisémite. Anti Alors naturellement, quand tu remets en question euh, la légitimité d'Israël, quand tu... Si tu prends la partie, par exemple, des Palestiniens, souvent tu vas être accusé d'être antisémite. Ça, c'est une expression. Hein? Ça, ça fait partie du politiquement correct qu'on nous a imposé, dont j'ai... Euh, Parler cette semaine. Hein? L'expression politiquement correcte est un calque de l'anglais ou de l'anglais américain politically correctness. Elle est apparue vers la fin du 20e siècle, donc dans les années 90, pour qualifier la rectitude diplomatique, c'est-à-dire une façon acceptable de s'exprimer en société. C'est arrivé en France puis au Québec dans les années 90. Et ça, c'était dans le fond l'élite. Toute l'élite, parce que tu sais que c'est l'aristocratie qui te gouverne, là. il n'y a, a personne du peuple qui gouverne. C'est toute l'élite qui te gouverne, c'est un système global qui te gouverne. Et ce qu'on a voulu commencer à faire, c'est de contrôler ta pensée, contrôler tes opinions, contrôler tes convictions. En te stigmatisant si tu étais à l'encontre de l'idée globaliste et mondialiste. Et on a commencé à. À t'étiqueter avec toutes sortes de qualificatifs si on considérait que tu n'étais pas politiquement correct. Et c'est comme ça que les gens, petit à petit, on a vu ça se faire, puis moi-même, j'ai été piégé là-dedans dans les années 90-2000, comme tout le monde avant mon éveil. Et là, tu es là à t'auto-censurer, puis tu es là à dire ouais, c'est vrai, je ne devrais pas penser comme ça. T'sais. Oh non, c'est vrai, je ne devrais pas. Avoir cette idée-là, je ne devrais pas avoir cette. Et parce que ce n'est pas correct. C'est complètement hallucinant. Et c'est devenu la norme et les plateformes maintenant imposent la censure at large. Et maintenant les gens se réveillent et se disent non, voyons, ça n'a pas d'allure, là. Moi, j'ai mes convictions. Puis mes convictions sont justifiées et sont valables et nobles. Tant que tu restes dans le respect de l'autre, dans le respect. La majorité des gens ne veulent pas de guerre, ne veulent pas de conflit. La majorité des gens s'entendent. Quand tu voyages, c'est là que tu le vois. Les gens, le monde ordinaire s'entend. On, on est tous pareils. Mais la classe qui nous dirige, le gouvernement globaliste, mondialiste, global qui nous dirige, son but, c'était de nous... Surtout nous, en, en, en Occident. Dans l'autre partie du monde qui n'est pas sous le contrôle de Klaus Schwab, c'est différent. Mais nous, on nous a stigmatisés, on est devenu une société de pleutres. on est devenu une société de médiocre à cause du politiquement correct. On a tout accepté. Regarde l'état de nos rues, l'état de nos villes. D'abord, tu te rappelles du scandale d'avant-hier à la Chambre des communes entre Justin Trudeau et Pierre Polièvre qui rapportait des fêtes que je vous rapporte depuis des semaines d'ailleurs. Si vous vous en rappelez, hein, je, ça fait des semaines que je parle de l'état de nos rues, de la drogue, de nos. C'est nos enfants qui sont là. C'est dégueulasse de les voir comme ça, puis de les voir abandonnés, puis qu'on les ait exposés à des produits horribles, à une politique du politiquement correct, à une mentalité de la destruction de nos sociétés, parce qu'on était des sociétés fortes avec des fondements aussi forts que les sociétés musulmanes, avec notre christianisme. Avec notre foi, avec nos familles qui étaient solides, avec nos pères qui étaient forts, nos mères qui étaient fortes, on a toutes défait ça. Le monde, si tu défais tout ça, c'est sûr que ta société a plus de boussole et s'en va dans toutes les directions. Et l'être humain a besoin d'une structure. Comme les abeilles ont une structure, les fourmis ont une structure, les loups ont une structure, les dauphins ont une structure, l'humain a besoin d'une structure. La structure de l'humain, c'est pas Clarence Schwab, c'est pas Justin Trudeau, c'est pas Joe Biden, c'est pas Barack Obama, c'est pas Emmanuel Macron, c'est pas François Mitterrand. La structure de l'être humain, c'est son père, c'est sa mère, c'est sa famille, c'est la communauté. Et les liens qui sont bâtis au sein de la communauté. Puis on nous a tout détruit ça. Regarde le résultat. Je n'ai pas besoin de t'en dire plus. OK? Donc, tu t'es retrouvé avec Pierre Poilièvre qui s'est fait expulser de la chambre pour avoir utilisé le terme Waco, qui veut dire pas grand-chose, Waco, là. Ça signifie une personne qui est considérée comme excentrique. Ou folle, dans le sens, tu sais, vraiment, c'est fou, là. Bien, les politiques de donner de la drogue, puis d'ouvrir des centres de distribution de drogue, puis de seringues en projet pilote pour des drogués qui sont déjà ravagés, puis finis, puis brûlés pour la vie, parce que c'est ça qu'on leur a donné comme avenir. C'est complètement cinglé. Puis d'avoir eu comme seule idée pour essayer d'aider ces gens-là qui sont rendus dans la rue, puis que c'est leur mode de vie, puis il y en a plein. C'est des milliers et des milliers, d'avoir eu l'idée comme idée, projet pilote de dire Ah, oh, tiens, c'est-tu quoi, qu'est-ce qu'on va faire pour les aider? On va leur donner de la drogue, puis on va leur donner des seringues. Are you kidding me? Donc la seule. Imagine, le, 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 la seule chose qui leur est venue à l'idée, à ces globalistes et mondialistes, c'est de créer des organismes humanitaires, communautaires, puis de donner ça, donner la responsabilité. De ces projets pilotes-là à des, à des gens qui ont des cheveux teints en bleu ou en rose. Are you fucking kidding me? Puis t'as Pierre Poilievre qui met ça parce que le gouvernement du, de la Colombie-Britannique, un gouvernement NPD, le gouvernement, le parti le plus fucké au Canada, là, même eux autres qui ont trouvé que ça n'avait plus d'allure, t'es rendu à des milliers de morts suite à ces projets pilotes cinglés, oui, c'est cinglé, voyons donc. Tu devrais prendre ces gens-là, puis les protéger, les envoyer dans des hospices, premièrement, s'ils ne sont pas récupérables. D'autres qui sont récupérables, c'est de les éduquer à ce qu'est la vie, comment la vie est belle, puis les envoyer dans des centres de désintoxication, puis leur dire que c'est des êtres exceptionnels, puis que tu ne peux pas te ravager comme ça, puis qu'on s'excuse de t'avoir fait ça, parce que c'est la responsabilité des globalistes et mondialistes, de les avoir amenés dans, cette, dans ce néant-là, pas de leur donner de la drogue et des seringues. Même le gouvernement complètement capoté du parti le plus capoté du Canada, le NPD, trouve que ça n'a plus d'allure, imagine-toi. Et c'est Pierre Poilievre qui rapporte ça à la Chambre des communes, puis le président, naturellement, très libéral, très partisan. A expulsé Pierre Poilievre parce qu'il ne voulait pas s'excuser. Il dit Non, je ne m'excuse pas. C'est des politiques cinglées d'un premier ministre cinglé, waco, excentrique. On le voit. C'est lui qui s'est fait pogner avec des blackface partout dans des parties d'Halloween. C'est un excentrique. Ça n'a pas d'allure, ça. Ce qu'on a fait. Et il a, pas voulu... il a retiré ses paroles. Il dit Oui, je retire mes paroles. Il dit Je vais l'appeler extrémiste. Puis il l'a expulsé parce qu'il l'a qualifié d'extrémiste. Pendant que Justin Trudeau, depuis, depuis qu'il est premier ministre, traite tous les Canadiens d'extrémistes, de, de, de suprémacistes blancs, de nazis, s'ils ne sont pas d'accord avec ses politiques. Il, est, il utilise ces termes-là devant les médias, il utilise ces termes-là à la Chambre des communes, il utilise ces termes-là partout. Justin Trudeau a utilisé peut-être une centaine de fois le terme extrémiste lors des manifestations des camionneurs. Puis dès que quelqu'un s'oppose à ses politiques complètement waco » sur le changement climatique ou toute autre politique, il traite tout le monde d'extrémiste, de suprémaciste blanc, de raciste, de transphobe, d'homophobe. Puis il n'y en a pas de conséquences. Je termine avec le Time Magazine qui, encore une fois, parce qu'ils ne sont plus capables de vendre. Toutes les médias sont en faillite. C'est pour ça que tu vas avoir Donald Trump qui va revenir à la Maison-Blanche, parce que quand Donald Trump était à la Maison-Blanche, je peux te dire une chose, les affaires étaient bonnes. Oublie jamais que Donald Trump, que tu l'aimes ou pas, les médias l'aiment. Les médias, c'était le chouchou des médias. Donald Trump, avant qu'il se lance en politique, d'abord, moi quand ils me disent que tous les arguments encore, là, oh, « c'est un raciste, un raciste. Est un... Donald Trump était adulé par tous les rappeurs, par toute la communauté afro-américaine. Oprah Winfrey, c'était un ami, une amie personnelle de Donald Trump. Elle a toujours dit, il me traite comme une reine. Mike Tyson, encore aujourd'hui, c'est un ami personnel de Donald Trump qui visite Mar-a-Lago une fois par mois. Ils vont manger ensemble. La communauté afro-américaine va voter pour Donald Trump d'une façon record cette année, comme la communauté latino. Donc, d'accuser Donald Trump d'être raciste, c'est tellement un mensonge, mais grossier. Grossier. Tellement gros. C'est hallucinant. Puis Mike Tyson, qui, je ne sais pas, là, je j'ai pas besoin de te convaincre qu'il est noir, là, qui est un ami personnel de Donald Trump, que Donald Trump a aidé pendant longtemps, durant ses grandes difficultés, a dit, c'est tellement, tellement ridicule. C'est tellement absurde, il dit, c'est tellement mensonger. Donald Trump est tout sauf raciste. Parce que tu veux mettre le contrôle sur tes frontières avec les gauchistes stoïdes, avec les globalistes mondialistes, on t'étiquette de raciste. Mais c'est ces mêmes gens-là qui veulent envoyer des milliards de dollars dans plein d'autres pays pour qu'on aille protéger leurs frontières. Tu sais, c'est comme c'est tellement, tellement contradictoire. Les médias qui sont en train de tomber en faillite ont besoin du retour de Donald Trump. Pendant que Trump était là pendant quatre ans, ils ont fait des profits comme jamais dans leur histoire. Donald Trump a été numéro un de toutes les émissions de télé-réalité avec sa fameuse émission The Apprentice pour NBC, je pense, ou ABC, pendant une dizaine d'années. Toujours numéro un, toujours numéro un. C'est-tu qui leur en a fait faire beaucoup d'argent? Donald Trump, c'est le maître de la télé. C'est le maître du spectacle. Okay? Que tu l'aimes ou pas, c'est ça. Puis il est adulé par tout le monde. Mais depuis qu'il s'est lancé en politique, soudainement il est devenu persona non grata au sein du globalisme et du mondialisme. Sais-tu pourquoi? Je vais te le dire, pourquoi? Parce qu'il n'a pas choisi le bon camp. Si Donald Trump avait annoncé en 2015 qu'il devenait le candidat pour le Parti démocrate, il aurait été une rock star plus grande que tout ce que tu peux imaginer de ton imaginaire le plus imaginatif. C'est juste qu'il n'a pas été du bon côté, comprends-tu? Puis c'est pour ça qu'on le démonise, parce qu'il est tellement fort. Et là, le Time Magazine, qui a besoin de vendre, l'a mis à la première page de son nouveau, de sa nouvelle édition, avec une photo de Donald Trump, puis qui a perdu du poids, qui paraît très, très bien, qui est en très grande forme, qui est en avance dans tous les états clés, qui bat Joe Biden par... Comment ils vont être obligés de... Comment ils vont l'arrêter, je ne sais pas. Peut-être par un assassinat, peut-être par d'autres choses, je ne sais pas. Que tu l'aimes ou pas, c'est pas important. Puis Donald Trump, il n'a pas révolutionné le monde non plus. Donald Trump, c'est le gars de la bourse, c'est le gars du pétrole, c'est le gars de Wall Street, c'est le gars des riches. Il n'a mis personne en prison, il n'a persécuté personne. Il n'a pas eu de renversement de démocratie. Quand il a perdu, il s'est en allé. Contrairement à ceux qui disent « non, il ne partira jamais de la. <laughs> Parce que c'est des wacos. Mais ils en ont besoin pour faire de l'argent. Et là, la première page, la page couverture du Time Magazine, c'est If he wins. Si jamais il gagne, qui c'est qui va arriver? Il l'a dit. Moi, tout ce que je veux, c'est le succès des États-Unis dans le sens que tout le monde fasse de l'argent. Je vous reviens avec d'autres choses. Demain, probablement. Bon. Jeudi.